Salut tout le monde! Jodi an mwen kontan ansanm avèk nou pou yon lòt videyo. Jodi an nou pral fè mash potato la byen rapid. Mwen pral montre koman sa pral trè amuzan e pi la vreman delisye. Ben voilà, nou genyen 8 pom de terre. Ok, sa pral depan selon gòsè pom de terre yo ye. Amen sa w achete yo. Men mwen pam yo, yo pa tro gwo ni yo pa tro piti. Men mwen pral ajoute 2 gran selman soli, la bon mwen 8 an tou. Et puis voilà, on va montrer tout ingrédient que on va utiliser pour faire mash potato en ou soit lait. Et puis nous gagne sour cream qui c'est crème fraîche. Et ensuite nous gagne half and half. I don't know. Et ensuite nous gagne heavy cream qui c'est crème fleurette. OK, c'est heavy cream là tout ça pour aller dans mash potato. OK. Ça c'est half and half là encore, so m'a pour passer pour montrer nous pour bien. Ouais, OK, crème fraîche qui c'est sour cream et ensuite n'a bien lait qui c'est milk et n'a bien poudre d'ail qui c'est garlic. Voilà, et n'a bien black pepper qui c'est poivre noir. OK. So c'est tout ça que nous pas utiliser. Ensuite n'a bien sel et n'a gagné beurre qui vraiment important mais c'est pas beurre comme c'est dans bocal you know il est supposé bâton beurre OK tant que margarine mayan so I mean margarine butter but c'est bâton beurre OK voilà où se trouve tout ingrédient que on va utiliser yo et ben voilà kounya ça n'a fait là n'a et calé pomme de terre yo OK n'a peel yo pour retirer peau tant que gagne pomme de terre au café avec peau et mais faut bien laver tout ça c'est pas un problème nous qu'on fait comme ça dans travail OK donc on mettre avec peau surtout pomme de terre qui gain peau rouge OK mais ça lui même n'a fait un pomme de terre blanc voilà quand il a leur fin retirer peau et puis ou couper les parce que pas couper les trop petits se couper les trop petits le bruit la vente qu'on farine la vente comme s'écraser dans de l'eau mais en même temps tout pas couper le trop gros parce que sou coupe le trop gros la prend plus temps pour li ka cuite. OK? Voilà. Et puis ouais ça tant que ça c'est un grain ouais là m'a fait 4 morceaux. Voilà, c'est tout. OK? Et puis quand il y a là ou la veli, OK? Parce que sop mayen tout ça, m'a balé en deux recettes, pas vrai? Et après ça n'a metté de l'eau là-dedans pour li capable bouillir. So li ka pran à peu près 25 avec 30 minutes pour li cuite, OK, li pa pran plus temps. Ou ka pran une fourchette pour checker li après on 20 minutes pour voir si li cuite. Moi mette en cuillère sel, OK. Et puis n'a couvrir, n'a mette le bruit, n'a ouvert du feu, hein. OK. Voilà, et puis n'a couvrir li. Oui, a pomme de ta bouilli ou après 20 minutes n'a checker li là pour nous ouais est-ce que li commencé bon le four fourchette là dernier des pour fourchette là difficile pour rentrer c'est que li beaucoup bon voilà c'est comme si m'a pesé li ça veut dire que li beaucoup bon all right OK so après 30 minutes pomme de terre là bon qu'on y en prend pas soir et puis moi couler li pour me retirer de l'eau là dernier m'a pété bien séché m'a pété bien dégoûté pour quelques minutes OK des fois li bon pour mélanger lait yo half and half yo avec un heavy cream nan ou parce que les manger chaud tout ça pas là dans supposé chaud mais c'est pas un problème tout ou ka just quitter pomme de terre en frais et puis ou ajouter lait yo j'en rien mais comme c'est soit fait un gros et bagaille pomme de terre li encore mieux si ta mettez et lait là bouilli ou mettez beurre à fond ou mélanger lait là avec half and half et puis heavy cream là ou mettez le bouilli but it's okay ou ka faire comme ça tout c'est pas rien c'est pas un problème du tout parce que pomme de terre là vraiment chaud OK nous sommes mettez half and half là qu'il y a nous mettez heavy cream OK mais mesure que moi prend pas en pile du tout plutôt ou mettez pipiti de temps en temps ou ajouter temps pour mettre trop parce que si on mette trop ou gâter le pas faire en fixer encore mais s'il manquait ou qu'a ajouter et petit cal en liquide au fur et à mesure OK voilà quand il y a là nous mettre moitié dans beurre OK j'aime te dire dans bâton beurre
OK, kounya la ou mixe tout bagay ansanm, ou boase li, ou apre chan pòm tout la vraiment blanc, jèl vraiment belle. Et vous sentez bon tout là hein. Ou bien boire li pas chaud pas les boules là-dedans, vous tout faut toute pomme de terre l'écraser, faut elle fin. Faut n'importe petit bébé qui a mangé ça ou bien n'importe monde qui gagne dysphagia level. OK, dysphagia c'est le monde n'a pas cavaler bagay qui gagne trop gros ma. OK, but mal étoile loin. On était là. So yeah, so make sure que les pas gagne gros boule là-dedans. Quand il y a la même là n'a mettre ça avec crème là qui c'est crème fraîche. OK, m'a mettre 4 cuillères. Voilà. Tu m'as que me fait mettre 4 cuillères ça recrime dans ça recrime dans il va lever goût en plus toujours la fait le pire goût et pour boire ça ou là là, regardez. Voilà et mâche potée il est pas trop liquide ni il est pas trop comme si red ou elle est vraiment molasse ou comme si il est dans un yon niveau exactement c'est comme ça yon mash potato supposé et yé quand yon an goûte pour nous ouais toujours goûter manger moi je suis goûte là moi pas ouais les marqué en rien les gars bon petit sel bon petit poudre l'ail et puis les gars en poudre girofle ok poudre poivre voilà les gars comme mieux si comme si vous voulez mettre poudre poivre blanc mais il est pas facile à trouver ça so, c'est pas un problème tout se mettre poudre poivre noir pour pas mettre trop pour pas trop arrêter parce que son manger comme si ouais j'en ai vraiment belle aller vraiment blanc pas mettre bagarre qui pour faire l'aide et puis nous besoin comme si garnish li OK le wapé garnish ça c'est un chives malheureusement pas encore moi dit ça ni en créole ni en français OK so c'est chives c'est le plus souvent c'est bah nous décorer manger OK nous mettons petit chives voilà. Et puis, mais comment produit final là, et après encore bon l'autre vidéo. Bye bye!